RCU. Yeah, MC Luciano. C'est trop bon, hein. 2013. C'est l'évolution. C'est pas moi la production. Ok, je démarre une nouvelle partition. Le time s'envole de toute façon. Avant de pécho le Parkinson, je me dois de voilà, c'est ça, toi. Énorme. Pourtant, je suis pas fan, hein. Tout le monde le sait, je suis pas fan de ça, mais franchement, le gars touche, c'est pro, c'est propre, c'est magnifique, c'est bien. En plus, c'est un petit clin d'œil, parce que ça me fait plaisir. C'est un Suisse, j'ai bossé longtemps chez eux. C'est des gens extraordinaires. J'aimerais faire un petit big up aux Suisses. L'ensemble de la Suisse, mais surtout les Suisses romands qui sont des gens super sympas, des super fêtards. Et puis voilà, j'ai passé quasiment 10 ans extraordinaires là-bas. J'ai des regrets des fois. Je pense que si demain on m'appelle, je repars chez vous, les gars, parce que c'était génial. J'ai adoré. C'est un super pays. J'adore. Mon ressenti est exactement pareil que le tien. Je sais que les Suisses sont très fêtards et que c'est vraiment un gars. Et on sent qu'il y a une production. C'est des gens qui ont l'ouverture à 360 degrés. C'est ça, ce qui est énorme. Exactement. Et je trouve juste ça extraordinaire d'avoir un son pro. Un son net, un son avec on peut s'imaginer pas mal de trucs. On peut être le gangsta en écoutant ça. On peut être quelqu'un de féroce dans la vie sans être ci, sans être ça, tu vois. On peut s'imaginer un cinéma, c'est quoi. Une ambiance énorme, ouais, qu'il a, c'est une ambiance énorme, ouais, c'est. Alors ça. C'est MC Luciano qu'on va appeler d'ici quelques instants. Est-ce que t'es prêt, mon cher ami? T'es prêt? Alors c'est parti, on va l'appeler tout de suite. Allô. Yes, MC Luciano est avec nous ce soir sur Radio RCU. Comment tu vas? Merci à toute l'équipe, merci à vous tous, c'est super. Je sais pas si vous m'entendez bien. Yes, on t'entend nickel. Nickel, impeccable. Ça fait super plaisir, merci en tout cas de l'invitation. Ça fait vraiment super plaisir, merci à tout ce que vous faites, hein. Big up à toi, très très beau son. Alors, merci beaucoup. Ah, tu peux nous expliquer un petit peu comment tu t'es lancé dans cette vibe? C'était juste énorme, hein. On a écouté tous tes sons, on a eu du mal à choisir. Donc on va essayer de les passer les quatre, mais c'est juste ça, c'est super sympa. Écoutez, je dirais que ça a commencé par pas mal de choses, c'est-à-dire que depuis l'âge à peu près de 13 ans, j'ai commencé à écrire gentiment des textes, gentiment à commencer à poser ma voix. Au début c'est pas carré, au début on essaye. Je pense que on a tous un peu le même début dans le rap finalement. Et puis au fil des années, on a finalement fait un petit studio avec mon pote qui s'occupe des prods. Ouais. Un gros big up à lui d'ailleurs, Paro Reken Music sur Facebook. Dan, je suis moi. Alors franchement, ouais, moi qui suis pas apte du tout, moi je suis vachement électrotech. J'ai bossé dans votre pays pendant des années, tu vois, j'ai fait des grosses soirées trans, parce que je suis fan de ça. Je retrouve un peu cet esprit, décollage. Vraiment décollage, on entend le début, la sonorité, les mélodies que tu as, c'est les mélodies qui font décoller. Je te promets, ça me fait cet effet-là, quoi. C'est vraiment ce que tu dis. Ouais, ouais, effectivement. Bon, après, à savoir que moi, je fais du rap, mais j'écoute toutes sortes de musique, j'écoute vraiment tout. J'essaie justement le plus possible d'apporter dans mes productions quelque chose justement qui peut toucher peut-être à l'électronique dans la dernière que t'as mise. Peut-être justement plus tranquille dans une autre, avec une guitare, pourquoi pas qui sonne un peu pop. Moi je suis toujours ouvert à tout et j'écoute vraiment toutes sortes de choses. Moi tu vois, personnellement, attends, c'est juste ça. Attends, avant de continuer, écoutez juste ça. On l'a en direct, les gars, c'est juste de la bombe atomique. Moi perso, j'allais dire, franchement, moi ce que... MC Luciano, vas-y Yago, je t'en prie. Bah, disons, ce que j'allais dire, ouais, c'est moi personnellement ce que j'aime, c'est franchement la rythmique que tu mets dedans, en fait. C'est, tu appuies bien les mots, en fait. Tu vois, vraiment à l'ancienne. C'est merci. Quand tu appuies la phrase, tu appuies la phrase quand il faut. Et puis t'as un rap bien à toi aussi. C'est vraiment pas du rap qu'on a l'habitude d'entendre. Ça donne envie de bouger, quoi. C'est le rap pour lui donner envie de bouger. Le rap on l'écoute, mais là le tien on l'écoute mais on le vit aussi. C'est ça qui est bon. C'est vrai. Il parle après beaucoup dans la rythmique, un peu aussi dans les raps un peu après la Carmel Ancien, compagnie. Je sais pas si vous appelez Carmel Ancien. Ouais, bien sûr. Ça part un peu dans le rythmique style. Il monte, il descend. Et franchement, nickel. C'est quoi tes projets? C'est des super compliments que vous me faites là. Je vous dirais juste merci, c'est exactement ce que je cherche. C'est essayer de toucher en essayant d'inclure un peu justement de tout. Et puis là, dans mon EP qui sortira bientôt, je pense qu'on pourra voir globalement un peu justement tout ça. On voit que je touche un peu de tout, un peu d'électro, un peu de old school, un peu de new school, un peu de pop, un peu de ci, un peu de ça. Et moi, c'est de ça que je me nourris et je suis content que ça touche les gens. Voilà. Yes.
C'est cool, ça. Un léger coup funky dedans par moment, je trouve ça super sympa. Quoi. Ouais. Yes, j'aime bien aussi. Ouais. Tout à fait. Ouais. Alors, c'est quoi le tes prochains projets dans les semaines à venir, dans les mois à venir? Alors justement, bon, alors les semaines à venir, j'ai envie de dire maintenant, il y a mon EP qui sera en téléchargement libre sur internet. Donc ça regroupera 13 sons que j'ai mis au point en une année et demie maintenant que je bosse, avec des assez gros featuring plutôt de par chez vous, aussi de France, que j'ai réussi à avoir, que je suis assez fier. Très bien. Et des featuring aussi de rappeurs suisses que j'apprécie, et des sons évidemment solo, et toujours avec mon pote Paro pour les prods. Et puis voilà, on a essayé de faire quelque chose à mon image. Et puis ben là, les quelques sons que je vous ai envoyés, c'est aussi quelques inédits qu'il y aura dessus. Alors moi pour ma part, je suis très heureux de le passer dans la Big Radio Libre. C'est juste des sons magiques. Voilà, moi j'aime bien personnellement. Merci. Est-ce qu'il y a des prochains concerts que tu veux dire à l'antenne pour faire un petit peu de pub? Alors malheureusement pas, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que c'est vrai que là je suis beaucoup sur l'album et j'ai beaucoup pensé à ça et j'ai surtout taffé ça. D'accord. J'ai malheureusement pas spécialement de concert ou quoi que ce soit annoncé. J'espère que les choses viendront d'elles-mêmes. En tout cas, j'essaye aussi de faire, mais c'est vrai que c'est difficile d'essayer de tout faire en même temps et j'ai vraiment envie que cet album il soit déjà bon et après par la suite justement s'il touche des gens et si je vois qu'il peut y avoir effectivement assez de monde pour moi, j'ai envie de dire, à un concert et puis que ça peut toucher autant de monde, ben je suis le premier preneur, ça c'est clair et net. Mais t'es loin de nous, on est vers Mulhouse, est-ce que t'es loin de chez nous, notre ami Je saurais pas te dire où c'est Mulhouse sur la France. Ça représente à peu près 350 km. 350 bandes, ça ouais. Va, c'est pas trop pour faire une belle soirée en France. Hein. Ouais, ça peut le faire, ça. Tout à fait. Et puis, moi, je suis ouvert à tout. Et puis, justement, bouger pour des concerts, moi, je suis toujours upé à tout. Donc, bien sûr, ouais. Avec plaisir. C'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd. Et il y a de nombreux producteurs qui sont à l'écoute. Donc, peut-être que tu auras une belle surprise dans la foulée. Ouais, ça serait super. En tout cas, voilà, on attend impatiemment que ça bouge comme on peut. Et puis, en tout cas, on essaye de faire avant toute chose quelque chose de sincère et quelque chose, j'espère, qui justement touche les gens. C'est vraiment le plus important. Alors, le morceau acoustique m'a un peu surpris, pour être sincère. J'ai écouté ça comme ça j'étais dans le vide, quoi. C'était magnifique. Tu peux nous éclairer un petit peu sur cette musique qui s'appelle Près des yeux. Loin du cœur, c'est ça? Ouais. Tout à fait, ouais. Effectivement, la métaphore à l'envers. Ça, c'est déjà pour la petite histoire pour le titre, c'est que mon album, il s'appelle Evolution. Donc, à peu près tous les titres sont des métaphores ou en tout cas des phrases, je dirais, ficelées ensemble pour essayer d'avoir quelque chose d'assez clair dans l'album. Uh-huh. Donc, et ce titre m'est venu assez automatiquement en entendant cette production une fois de plus de mon pote. Et puis, ça m'a touché. Je me suis dit, j'ai jamais fait tellement un son avec une guitare comme ça, assez claire, assez nette, et puis quelque chose de très mélancolique finalement. Ah, magnifique. J'ai trouvé aussi vraiment, c'est peut-être quelque chose qui touche peut-être plus de gens, et puis c'est ça que je voulais aussi apporter avec certaines musiques, et puis ben finalement elle s'est construite, et puis j'ai essayé d'apporter un refrain qui percute un peu, en essayant d'inclure, ben, j'ai envie de dire un peu de chant, mais pas réellement. Est-ce que c'est vraiment du chant? C'est un peu chantonné. Justement, inclure un peu ce mouvement un peu pop qui va peut-être bien avec cette petite guitare, mais tout en restant assez rap dans les textes au niveau des couplets. Quoi. C'est exactement ce qu'on a ressenti. C'est un super beau mélange avec des super textes. Écoute, est-ce que tu serais prêt là maintenant sur Radio RCU en direct de nous faire un petit freestyle? Bah écoutez, pourquoi pas, hein? Pourquoi Allez, pas? C'est parti, on te lâche l'antenne à toi, mon cher ami. Alors ça donne. Sincèrement, j'ai plus la pêche, je suis à sec et sans jus. Écoute pas ce que je prêche, on me presse, que veux-tu? Franchement, depuis la crèche, j'ai l'impression qu'on me tue. Mais ça, c'est pas depuis que j'écoute Radio RCU, yo! Yo! Putain, magnifique, magnifique. Ah, franchement, bravo, bravo. Celle-là, je crois qu'elle va faire un petit buzz sur YouTube. Allez, on te laisse le petit dernier mot de la fin. Allez, avec tes dédicaces, dis ta Valda, dis ce que tu as envie de dire au monde entier, parce qu'on est écouté dans le monde entier. À toi, mon MC Luciano. Alors, tout simplement, déjà un gros merci à vous et un gros big up à toute l'équipe. Je suis super content de ce qui se passe ce soir, super positif. Et puis, j'espère que les choses pourront continuer et puis que surtout je puisse revenir une fois sur votre antenne avec plaisir. Avec grand plaisir. Avec plaisir.
Et puis pour les dédicaces, c'est simple, une fois de plus, oubliez pas que pour les productions, il y a des très bonnes productions en Suisse au niveau des instrumentales, et puis que mon pote Paro Reken Music, que vous pouvez trouver sur Facebook, il en fait partie. Je fais un gros big up à mon frère aussi, un gros dédicace à Romain, à Cindy, à tous mes potes qui m'écoutent. À tous ceux qui m'écoutent depuis un moment et puis tous ceux qui écoutent maintenant en direct, quoi. Ça fait super plaisir et puis voilà, on lâche pas. En tout cas, on reste sincère dans les textes et puis je suis super content que ça touche autant de monde. Voilà. Merci à toi, mon cher MC Luciano. Vous avez encore un petit mot à dire, Greg? Vas-y. Non, c'est bon. Dan, c'est bon. On va s'écouter maintenant Intro Evolution avec MC Luciano. C'est juste une bombe atomique. Merci à vous, ciao, les gars. Ciao, 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 ciao. Et si vous êtes insaisissable, vous serez devenu autre chose. C'est-à-dire une image. Yeah, yeah. MC Luciano. 2013. Évolution. C'est Paro à la production. Ok, je démarre une nouvelle partition. Le time s'envole de toute façon. Avant de pécho le Parkinson, je me dois de faire marcher mon son. Sans concession, peu d'ambition, peu de sens. Sans révolution, si je dois clamser de ma passion, laisse-moi le temps de quelques secondes. Je passe d'une humeur à l'autre, parce qu'il n'y a pas que la roue qui tourne. Si je devais compter sur mes potes, je me mettrais dans la peau de Jason Bourne. C'est vrai que sans le rap, je me fais chier comme au cours. Je crois que la life est une arnaque, quand Lucifer siffle les moutons courent. C'est vrai qu'il faut que je craque la scène. Je claque pas, je me gourde d'antenne. Si ça ne va pas, ce n'est pas la peine. Je prends mes clics et je me barre au cœur. Besoin d'un bic et d'un gros bol d'air. Besoin d'un titre, je n'ai pas salaire. Besoin de deal, d'être dans mes rêves. Me barrer dans le système solaire. Ça m'a l'air plutôt bien engagé. Nos potes les martiens sont agacés. Prochaine télé réalité, ça se passe sur Mars en full HD. Sérieux man, je suis dépassé. Juste envie de me déplacer. Écoute, c'est pas du décalqué, mais ouais, franchement c'est carré. Bloqué dans un 20 mètres carrés, je gratte des ailes jusqu'à pas d'heure. Coincé, fonce, dépôt, mes fauchés. Mais moi je veux toujours plus d'auditeurs. On m'a dit croque cette planète. J'ai bientôt niqué toutes mes dents. Qu'à force de fumer des barrettes, je vais finir ce qu'ils ont comme arbitre. Je veux pas commentaire de paillettes. C'est pas la peine, je suis pas à l'aise. Je veux pas de vos mythos et de votre paraître. C'est pas la peine, je suis pas balèze. Genre d'un resto au bord de la mer avec une cabine en duplex. Installer mon big jardin secret pour finir mes jours comme gonflé. Je pense qu'il faut que je me barre vite fait. Je me laisse partir, j'ai plus de regrets. Il faudrait un label, un kilo d'herbe. Mais ce rap de merde me fout la gerbe. J'ai besoin de cette putain d'écriture. Trop de lacunes, je frotte plus les ratures. À chaque cure, chope une blessure. Mon corps serait rempli de fractures. C'est dur, je nage dans mes factures parce que j'attends le troisième rappel. C'est sûr, je déteste ce réveil. Ce connard qui m'enlève dans mon sommeil. Sommes-nous bien dans le monde réel? J'attends jusque la toupie s'arrête. Si je vire barge comme Raël, mec, appelle Morgan Dexter. Pas du tout meurtre. J'ai la rage. J'avance crée d'assemble des lettres. Bête de tech, j'ai plus où me mettre. École télémètre, assemble mes restes. Résolve mes guettes, apprenti des maîtres. Repasse mes défaites en mode, sans ce chèque. Repense à mon ex en mode, prise de tête. Replace mes affaires au centre de la terre. C'est en solitaire qu'on retrouve la paix. J'avance crée d'assemble des lettres. Bête de tech, j'ai plus où me mettre. École télémètre, assemble mes restes. Résolve mes guettes, apprenti des maîtres. Repasse mes défaites en mode, sans ce chèque. Repense à mon ex en mode, prise de tête. Replace mes affaires au centre de la terre. Seule fin à votre odyssée. RCU, la radio de vos envies. RCU.